D'abord, je tiens à féliciter l'ambassadeur du Mali qui est resté avec nous pendant tout le tournoi. Et l'objectif, quand on venait ici, le premier, c'était de pouvoir nous qualifier pour les Jeux Olympiques et éventuellement remporter la Coupe. Nous n'avons pas remporté la Coupe, mais ceux qui vont la remporter demain auront le même privilège que nous aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Que ce soit le Maroc, que ce soit l'Égypte, ils seront avec le Mali pour nous représenter dignement l'Afrique. Et c'est ça le plus important pour nous. C'était ça notre mission. Il y a éventuellement la Guinée aussi. Oui, éventuellement, un match de barrage. Vous avez vraiment joué aujourd'hui à la mi-temps. J'étais là avec vous pour vous dire qu'on ne vous sentait pas. À la fin du match, on a revu cette équipe malienne dont on rêve toujours. Je l'ai dit l'autre jour ici, tout le peuple malien compte énormément sur cette équipe de U23. Donc nous sommes très heureux, très enchantés. Et nous disons à Barka Alaï, puisque quand on venait ici, nous, on avait confiance en vous. Nos autorités qui représentent le chef de l'État ici avaient confiance en vous. Et c'est ce travail cumulé